Alors Pascal, est-ce que tu peux me parler un peu de cette station, où nous nous trouvons et quelles sont les caractéristiques de cette station? On est en mer de Sibérie orientale, on est à 2 jours de notre destination à Pévec. C'est une mer qui est très peu profonde, on est sur des fonds qui oscillent entre 10 voire moins et 20 mètres. Et on fait une station aujourd'hui dans une mer qui ressemble plus à un estuaire. Et tout le monde se plaint parce que l'eau est très chargée de sédiments. Et il n'y a que moi qui me réjouis parce qu'on est probablement là dans un très bon terrain de chasse pour les virus géants. On a des sédiments, on a probablement de l'eau qui a été lessivée sur la permafrost. Et on pense que ça, c'est des bonnes sources de virus géants. Donc pour l'instant, sur le bateau, il n'y a que moi qui suis ravi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est un virus géant? Les virus géants ont été découverts il y a une dizaine d'années, hein, 2006, et c'est des virus qui sont pratiquement de la taille de bactéries. Et les plus récents, là, qui ont été publiés au mois de juillet, commencent à être visibles en microscopie optique. Ils défient un petit peu les dogmes de la biologie entre la définition du monde cellulaire et du monde viral. Ils ont tout un tas de caractéristiques qui les rapprochent énormément du monde cellulaire, alors que jusqu'à présent, il y avait une distinction qui était très nette entre les virus et les cellules, les bactéries, les cellules eucaryotes. Ils sont gigantesques de par leur taille, mais également par leur génome et de par les fonctions géniques qui sont encodées dans leur génome. Ok, donc ça c'est vraiment ton domaine, toi, là. Ouais, c'est la spécialité du laboratoire où je travaille à Marseille, l'IGS. Et c'est ce qui nous a rapprochés finalement de Tara. C'est-à-dire qu'on a découvert ces virus géants initialement dans des centrales de refroidissement, un système de climatisation dans des hôpitaux. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'ils étaient probablement assez abondants, voire même très abondants dans l'océan. Et c'est pour ça que finalement je suis sur Tara Océan aujourd'hui.